Allez, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de The Last of Us Remastered, évidemment Part 1, avec l'épisode 16. Comme d'habitude, installez-vous confortablement, 4K 60 FPS. Faites-vous plaisir, évidemment, parce qu'on aime ici se faire plaisir. Et on est de retour au barrage, évidemment. Et on a passé le tronc que nous n'avions pas passé auparavant. Est-ce qu'il y a des méchants ici? Je me souviens plus du tout. Je rappelle qu'on est en automne. Il n'y a pas d'autre chemin. Passons par la centrale. Ok. Donc on doit rentrer dans ce merdier. On va les fouiller quand même, un petit peu au cas où. Réservoir hydroélectrique du comté de Jackson. Service fédéraux des parcs. Ok. On a quoi là? Ouais, on a une petite carte, ça fait plaisir. On adore les cartes, évidemment. Waouh! On comprend rien. Excellent, ça. Hop, on range. Voilà, ça nous a pas du tout aidé. Des pièces. Oh, des ciseaux. Oh, des pièces. Alors, tout ce que je regarde, je le ramasse pas. Hein. Savoir que je préfère ramasser les trucs à côté. Là, on a rien. On avait que ça, là? Attendez. Attendez. Hein. Ok, on avait que ça. Et il n'y a plus de bâtons. Là, par contre, vous avez vu, il y a de moins en moins de d'objets style bâton, barre de fer et tout à ramasser. Donc, ça devient un petit peu plus compliqué. Et j'ai cru entendre quelqu'un à l'intérieur. Ça sent pas bon, cette histoire. N'essaie même pas de dégainer ton arme et dis à la fille de lâcher la sienne. Ellie, fais ce qu'elle te dit. Ok. Dites-moi que vous êtes perdu. Écoutez, on savait pas que l'endroit était habité. On voulait simplement traverser. Pour aller où? Tout va bien. Tu les connais, ces gens? Lui, ouais. C'est mon putain de frère. Tommy. Oh, merde. Comment tu vas, petit frère? Oh, putain. Ouais. Et laisse-moi te regarder. Oh. T'as pris un sacré coup de vieux. C'est bon, ça sera bientôt ton tour. Ça, c'est Maria. Sois gentil avec elle, c'est... C'est elle qui dirige cet endroit. Madame. Merci de ne pas m'avoir descendu. Ça aurait été gênant, vu que vous êtes mon beau-frère. Il va falloir qu'on s'explique à un moment. Ellie, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est une longue histoire. Pourquoi on les ferait pas rentrer? Ouais. Ok. T'as faim? Carrément. Fausse alerte! On les connaît. On subit pas mal d'attaques. Il y a plein de bandits dans le coin. C'est calme depuis quelques jours. Qu'est-ce que tu fous ici? Je pensais te trouver à Jackson. On essaie de redémarrer la centrale. On avait réussi à la relancer, mais une turbine est tombée en panne. On a l'électricité. Enfin, on avait. On va la récupérer. J'y crois pas. Vous avez des chevaux? On en a plein, même. Hé, hey, Tommy, donne-moi un coup de main. Désolé, je reviens. Je peux? Oui, bien sûr. Il aime qu'on lui caresse les oreilles. Tu es déjà monté à cheval? Eh ben, ouais. Quand est-ce que t'as monté à cheval? C'est Winston, un soldat de la zone. C'est lui qui m'a appris. Si tu veux, on pourra aller faire un tour avec lui tout à l'heure. Ça serait super. Mmh. Voilà. Brave bête. Eh, hey, merci Tommy. Pas de problème. Allez, on continue la visite. Ok. Allez, viens Ellie. Earl? Oui? Qu'est-ce que tu fais là? T'étais pas censé rentrer ce matin? J'attends toujours Couser et les gars viennent me relever. On va se débrouiller. Allez, va rejoindre ta famille. Enfin, il fait jeune là quand même, hein, Tommy. Hein. Il a pris un coup de vieux en seulement 3 ans. 2-3 ans. Hein. Allez, voyons voir comment c'est là-dedans. Maria? Ouais, allez-y. On est dans la salle de contrôle. Steve va tout remettre en route. Tu viens jeter un œil? Je préfère manger avec Ellie. C'était mon tour de toute façon. J'y vais. Je viens avec toi. Va avec Maria et mange quelque chose. Joël? Allez, Ellie. Laissons les gars travailler. Bon, je vous envoie Tommy. Bougez pas. Allez.
Ce sera la sixième fois qu'ils essaient de relancer les turbines. Ça fait qu'une semaine qu'on est là, mais ça semble long. Une seule semaine? J'ai quelque chose pour toi. L'an dernier, je suis retourné à la maison, au Texas. Le plus gros de nos affaires manquait. Le plus gros. Tiens. Elle est un peu passée, mais elle est encore chouette. C'est bon. C'est sûr, je veux dire... J'ai dit c'est bon. Ok. Je vais la garder pour toi. Tommy... Écoute, il faut que je te parle. En privé. Ouais, ok. Je vais juste aller voir les gars, vite fait. Allez. Ok. Bon. Jusque-là, rien de plus normal. Il faut passer à autre chose. C'est pas en gardant une photo que, tu vois, ça rend faible. Tu penses au passé. Forcément, t'es plus le même. Puis là, on a Ellie, c'est le plus important quand même. Parce qu'elle est bien vivante pour l'instant. Même si on a toujours Sarah dans notre cœur. Je sais pas ce que tu sais, mais va voir la ville. On compte plus de 20 familles. C'est Maria et son père qui ont créé cet endroit. Ils vivent de façon autonome. On a des plantations, du bétail. On sait que ce mode de vie était mort et enterré. Et niveau sécurité. Les adultes gardent le périmètre à tour de rôle. On a même une barrière électrique quand la centrale marche. Et vous avez toujours affaire aux infectés. Comme partout. Faut bien faire avec. C'est peut-être pas obligé. Bah, c'est peut-être pas obligé un grillage grand ouvert aussi. Hein, Bibiche, ça va ou quoi? Salut, toi. C'est Buckley. C'est pas un bon chien de garde. Mais j'aime bien l'avoir ici. C'est un bon chien. T'es un bon chien. Petit trophée obtenu, ça c'est Bibi qui régale. Oh. Oh. Oh, il y a metté. Ok. Ces deux génies vont nous remettre la centrale sur pied. Je crois que c'est la bonne cette fois. Oh, il y a metté. Quoi, tu ne crois pas? J'ai pas dit ça. Je te parie un million que ça marche. Ok. Oh. Disons deux. On est presque prêts. Il y a metté. Plus qu'à finir d'installer le bouclier. Tranquille. Très bien, attends. En vrai de vrai. Oh, il y a metté. Oh, un manuel. Alors attendez, peut-être qu'il fallait peut-être un peu mieux fouiller encore une fois. Tu réaccrues des écrans de fumée. Ah, dommage que j'utilise jamais les smokins, hein. 10 secondes de plus, c'est énorme. C'est on va voir ce qu'on peut modifier vite fait, les potes. Parce qu'à mon avis, là, va y avoir du fight, non? On va se faire envahir, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a de faisable? Peut-être la capacité du pompe, ça peut être pas mal, je ne sais pas. Allez, vas-y, on se fait ça, on se fait un petit plaisir ici. Encore une cartouche en plus, ça en fait deux, c'est plutôt cool. Ok, là il faudra 4 outils, cadence de tir peut-être. Qu'en pensez-vous? Ah, la vitesse de rechargement, c'est propre aussi. Allez, go. Allez, au diable l'avarice. Ça va aller encore plus vite. Let's go. Let's go. Ça ira. On est repeint, comme d'habitude. Allez, on continue d'avancer. À gauche, faites gaffe. Ah. Ok, c'est bon. Baissez-le, doucement. Voilà, c'est bon. Tommy est là. On peut y aller? Juste une petite seconde. Ok, c'est bon. Prêt? Vas-y, démarre. C'est parti. Oh putain. On a réussi. Bon boulot, les gars. Faudrait appeler Maria pour lui annoncer la bonne nouvelle.
t'as vu ça? Assez impressionnant. Je me souviens pas du tout de ça. Tu vas pouvoir me trouver 2 millions. Tu l'as dit. Allons en discuter. C'est une sacrée équipe que t'as là. C'est des types bien. Cet endroit leur donne une seconde chance. Il nous donne à tous une seconde chance. Pourquoi t'as quitté Boston? Je me suis lancé dans une drôle d'aventure. J'imagine que c'est lié à cette gamine. Tout est lié à cette gamine, petit frère. Allez. Vas-y, raconte. Elle est immunisée. Contre quoi? Écoute, je le sais. Je l'ai vu respirer assez de spores pour tuer une dizaine d'hommes. Et rien. Je n'y aurais pas cru non plus. Mais je peux te montrer. Ok. Je te crois. Pourquoi l'amener ici? J'étais censé la livrer aux Lucioles. Mais vu que ce sont tes copains... T'as raison. Tu peux finir le boulot et empocher la récompense. Ça fait des années que j'ai pas vu les Lucioles. Mais tu sais où ils sont. Je ne te demande pas grand-chose, Tommy. Je veux un peu de matos. Juste de quoi repartir. Qu'est-ce qui te fait croire que je ferais ça pour toi? C'est pas pour moi, Tommy. C'est pour ta foutue cause. Ma cause, c'est ma famille, maintenant. T'es pas en train de me parler d'une promenade de santé, là? Tu te fous de ma gueule? Demande à Maria de rassembler quelques-uns de vos potes pour ils le faire. Ils ont aussi une famille, mes potes. Tommy, s'il te plaît. Tu veux du matos? Ok. Mais compte pas sur moi pour te débarrasser de cette gamine. C'est comme ça que tu me remercies, hein? Te remercie? Pour toutes ces années où je me suis occupé de nous. Occupé? Non, mais tu veux rire. Tout ce qui me reste de ces années, c'est des cauchemars. Tu as survécu grâce à moi. Eh ben, ça valait pas le coup. Je t'apporte le salut de l'humanité et tu oses jouer les petits frères pleurnichards. On n'est plus à Boston. Si tu lèves encore une fois la main sur moi, tu vas le payer cher. C'était quoi, ça? On nous attaque. Tu sais encore tuer un homme, non? Ouais. Ah! Merde! Des bandits! Arrêtez-les! Ne les laissez pas entrer! Ok. Ça c'est fait. On va essayer de la jouer malin, le lynx. Il est où le man? Ok, oh putain. I take it. Ok, ça aussi. Ok, regardez ce qu'on va faire. On va faire ça. Tommy, couvre-moi. On va prendre ça pour le fun. Oh la vache. Ok. Oh là, attendez, je l'ai pas là. Ah, mais y'a rien ici. Tommy! Merci, mon ref. Ok, y avait rien, c'était juste un bonus. Oh non. Ok. Aïe. Wow. Oh, vous voyez quelque chose? Ok. Allons à la passerelle. Ça. Tommy, on est bon. Ils entrent dans le bâtiment. Non, on est coincés. Bougez pas, bougez pas. Ça, on est bon. Ça, on est bon. Ok. Let's go. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Oh.
Et... Là, il n'y a plus rien. On est d'accord. Et si on passe par là? Ok. Ok. Oh. Désolé, mon pote. Ok. Ça c'est Bibi qui régale. Ok. Ok. Et voilà ces fils de pute. Très bien ça. Faut qu'on rejoigne les filles. Je te suis. Très bien. Je me souviens pas du tout, du tout. Dégage. Dégage, Tommy, je t'en supplie. Ok. Alors, ça on prend, ça on prend. Easy. Ouais, comme je vous disais. Oh, je me souviens pas du tout de tout ça. Incroyable. Oh. Je prends tout cela. Ok. Ça, c'est pas mal. Attention. Ok. Ok, matez ça. Montre-toi, Bibiche. Problème. Oh les problèmes. Wesh. Bon, attends. Je te coupe. Ok. Oh, 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 oh. Ah ouais, moi j'étais obligé hein. Couvre-moi, j'avance. Je te coupe. Quoi? Ça c'est injuste, une justice. C'est bon? Ils sont tous morts. Ok. Tommy? Maria? Je vais bien, la petite est avec moi. C'était bien trop chaud. Ça va? Ouais, ouais, ça va. Joël! Oh merde, ils arrivaient de tous les côtés à la fois. Et puis Maria a dit, écoute, il faut courir. Alors, on a plongé derrière cette table, calme et les géants... Calme-toi, écoute. Hé, hey, hey, hey. Tu es blessé. Non. Putain. Il faut que je te parle. C'est hors de question. Dis-lui d'aller trouver quelqu'un d'autre. Maria, je veux pas avoir ça sur la conscience. Tu sais le nombre d'hommes qu'on a perdus ici aujourd'hui? Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est en rapport avec moi?
parlera de ça plus tard. Il a risqué sa vie. Et alors ? Est-ce qu'il t'a dit où était le labo ? On parlera de ça plus tard. Il connaît ses routes. Je suis allé là-bas. Plus tard. Je vois. Il suffit d'une fois. Un seul faux pas. Un seul faux pas et moi aussi, je me retrouverai veuve, ok ? Je dois le faire. Je sais pas quoi dire d'autre. Très bien. Maria. Maria. C'est parti. Vous. Si quoi que ce soit, si quoi que ce soit lui arrive, ce sera votre faute. Elle est reconnaissante. Ouais, je sais. Je vais emmener la gamine, t'as pas à t'en faire pour ça. On ira tout droit chez les Lucioles. C'est mieux comme ça. Ouais, peut-être que tout ça finira bien. Il faut que je parle à Ellie. Répète, j'ai pas entendu. Joël ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ta gamine, elle a pris un de nos chevaux et elle s'est enfuie. Eh merde, vers où ? Viens ! Je viens de la voir partir par là. Retourne à l'intérieur. Va aider les autres à nettoyer. Ok, faites attention. Oh, quel enfer, oh, quel enfer ! Tu vois ces traces ? Ouais. Allez. Bon, à la recherche de Ellie, évidemment, un classique. Oh, dans quelle merde elle nous fout, bordel. Regardez le degré de détail. Regardez à quel point le jeu a été plutôt bien refait pour le coup. Elle peut pas être loin. On va la trouver, t'inquiète. Quelle tête de mule. Mais souvent, ce genre de truc ? Pas comme ça. Je sais pas ce qui lui prend. Oh, si, Joël, tu sais très bien ce qui lui prend. T'as voulu tout faire sans rien lui dire et elle est pas bête, même si c'est une gamine. Elle est pas passée par là. Ok, allez. Ça sent les emmerdes, ça. Hein. Des traces. Elle est dans ses bois. Ellie, qu'est-ce qui t'a pris ? Oh, ça sent les emmerdes, ça. Hein. Là, d'autres traces. En route. Ah, la vache. Effectivement, il y a d'autres traces. Elle est partie où, la bichette, là ? Pas ici, évidemment. Ok, si on en parle là. Je te couvre ! Combien t'en veux ? Il y en a beaucoup trop. Ok, in the eyes of an Avenger. Nyon, a speck and Ranger. Ok, ok, ok. Il en reste un ? Pardon ? Il est où ? Ok. Ok. Oh, il a glissé mon ref. Alors. On va passer par là au calme. Toujours avoir de la hauteur dans un fight. Toujours avoir le dénivelé du terrain vers nous. Oh, petit coquelicot. Parfait ça, je suis un monstre. Je suis un putain de monstre les gars. Ok. Des petits Kit Kats. Ok. Wouh. On va rentrer par ici. Il est où ? Ok, gauche. Attends, deux à gauche ? What the fuck ?
Oh la vache. Ah désolé mon ref, mais t'avais vraiment littéralement que la tête qui dépassait. Ok. Il est là. Regardez ce qu'on va faire. Mais il est où ce con? Oh putain. Oh, quand tu vois tous tes amis morts, ça doit être terrible. Allez, bibiche, désolé. Voilà. Ok. Très très bien. Oh la vache, je crois que le mec, sa tête elle explose. Viens, on file aux chevaux. Ok, il y a encore des traces ici. Il y a rien à fouiller là-dedans. Oh non, j'ai le seum. Où sont les chevaux? Ils sont derrière, non? Ils sont derrière. Parce que je sais qu'ils ont pris panique avec la Molotov. Eh ben voilà. Il y en a qu'un. Attends, quoi? C'est bon. Il y a Foudre Amplifié qui arrive juste derrière et ça, ça fait plaisir. Allez, on y va. Let's go. Vas-y, mon petit Tommy, je te suis. Ah, Tommy. Ok, c'est par ici. Il n'y avait rien là-bas. Les traces continuent par là. J'espère juste qu'ils l'ont pas trouvé. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire, la petite Ellie, elle peut s'en sortir. Allez. Oh la musique, les gars, je vous laisse apprécier parce que... quand même assez exceptionnel. C'est ce qui va faire tout le charme de la série. Je rappelle qu'un nouveau teaser vient de sortir de la série, justement. N'hésitez pas à aller check. Là, près du ranch. C'est notre cheval, elle doit être là. Ok. Allez. Allez, let's go. La voie a l'air libre. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer dans le ranch maintenant? On n'a rien à fouiller là? Apparemment. Ok, on va prendre ça. Ellie! Incroyable ce ranch, wesh! C'est pas vrai. Il est totalement fou. Ok. Eh bien, écoutez, les amis. On va s'arrêter. Quoi? Ok. On va... oh. On va s'arrêter là. On va fouiller tout le bas. Hop. On est pas mal. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ça, peut-être. Ça peut être pas mal. Comme ça, il y aura des choses à récupérer. N'oubliez pas... hop. Et oh, hop, voilà. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Vous savez que ça fait toujours plaisir, évidemment. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Et nous irons directement à l'étage. Parce que Ellie nous y attend. Et ça va être insane. À demain pour la suite de notre folle aventure. Bisous tout le monde. Bye bye. Tommy, faut que t'arrêtes de me gêner. Je sais pas ce que vous avez dans le jeu à tous vouloir me gêner.